Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing Happy Home Designer. Et aujourd'hui je voudrais vous proposer une petite séance de décoration. On va faire du coup le concours du mois, donc ça sera jusqu'au 15 comme d'habitude, jusqu'au 15 juillet. Et donc je sais pas, là a priori ça va être le thème aviateur, donc c'est parti. Ok, alors c'est parti. Alors les nouveaux objets, on a juste un avion. Oh là là, mais il est tellement classe l'avion. Oh my god, vous avez entendu le bruit? C'est super lourd. Et est-ce qu'on peut le changer de couleur? Ah si, on peut le changer de couleur. Alors on a le vert, le noir, le blanc. Oh, il y a pas mal de couleurs, ça va. Et ça c'est quoi? Bah, il y a quoi qui change? Ah mais non, d'accord, c'est le logo. En fait, on peut mettre ce qu'on veut. Je sais pas, j'ai des motifs Marie, des motifs d'habitants. J'ai même toujours mon motif Masterchef que j'avais fait pour... mais d'ailleurs, le concours... Je crois qu'en fait, ma maison a été supprimée. Parce que je crois qu'ils ont... Il y a quelqu'un qui a dû signaler, et vu que ça fait un peu une sorte de pub pour Masterchef, ils ont pas trop aimé les gens, donc je sais pas, il y a vraiment des gens, des fois, ils signalent pour rien, c'est comme sur Miiverse, hein. Je sais pas si vous y allez encore, personnellement, j'y vais le moins possible sur Miiverse, à part sur ma console japonaise, parce que je poste pas mal de photos, mais c'est vrai que Miiverse français, j'y vais quasiment jamais, déjà, il y a que des gamins, et en plus de ça, il y a que des signalements, et ça je trouve ça, c'est vraiment débile, enfin, ça m'énerve qu'en fait, on peut quasiment rien faire sur Miiverse, donc c'est un peu relou. Allez, on va prendre cette forme d'avion. Voilà, donc je pense qu'on va faire une sorte d'aéroport, je sais pas. On va en mettre un petit peu sur les côtés. Alors là, hop, un ici. Et lui, on va le changer de couleur par contre. Hop, voilà, on va le mettre, je sais pas. Allez, un peu plus foncé, comme ça. Voilà. On va mettre peut-être aussi des fleurs, alors pas des arbres, parce que décoller sur des fleurs ça va, mais sur des arbres c'est un peu plus dur. Donc qu'est-ce que je vais prendre? J'ai des échelles de Jacob, je trouve ça super joli, donc je vais en mettre. Hop, voilà. Alors je vais mettre quelques petits moulins aussi pour décorer, des petits trucs miniatures. Ça sera sympa. Voilà, on va mettre ici. Voilà, donc on va mettre comme ça. Alors, est-ce que je peux trouver d'autres objets? On va mettre une statue pour le délire. Genre une statue là qui dit à l'avion de décoller avec sa main là, vous voyez. Elle est quasiment plus grande que l'avion, mais c'est pas grave. Donc, je sais pas, je vais la mettre ici. Je vais en mettre une autre là-bas. Voilà, là je trouve que c'est bien, non? Vous en pensez quoi? C'est un peu what the fuck, mais bon. Au moins on met des objets dans notre jardin. Alors maintenant on va choisir un petit peu la tête de la maison. Je sais pas trop, on va faire quelque chose d'assez moderne, d'assez un peu science-fiction. Et on va choisir une maison un chouïa plus grande, parce que là c'est un peu petit. Oh, j'hésite. Soit la petite maison qui prend pas trop de place, soit le gros pavé. Bon, on va mettre celle-là. À mon avis, c'est pas mal. Donc, on va la mettre comme ça. Et on va mettre des motifs. Voilà, donc on va les mettre comme ça, le long. Juste pour la maison, après le reste on va laisser comme ça. Et voilà, donc je pense que je vais laisser comme ça, j'ai pas beaucoup d'idées, je sais que c'est pas super joli, mais écoutez, on va faire avec, on va essayer de bosser sur vraiment sur la maison, faire quelque chose de joli dans la maison. Oh, on a une soucoupe volante, tiens, avec des aliens, mais je pense pas que je vais la garder par contre, hein. Ça va être un petit peu bizarre dedans. Donc dedans, on va faire une sorte de, bah, de salle d'attente des aéroports, quoi. Donc il nous faut des canapés.
Donc ceux-là, ils me paraissent plutôt bien. Donc, hop, on va le mettre en noir. Non, pas marron. Voilà, noir. Voilà, ensuite, donc on va les dupliquer. On va en mettre plusieurs. Alors, on va imaginer en fait que l'entrée et la sortie ici, ça nous permet donc d'aller prendre l'avion. Et donc ici, il va y avoir une sorte de guichet et pour donner son billet d'avion. Et juste à côté, donc on va avoir un petit peu donc la salle d'attente pour que les gens ils puissent patienter. On va mettre un petit ventilateur pour pas que les gens ils aient trop chaud, parce que là en ce moment vraiment j'en aurais besoin parce qu'il fait super chaud. Ensuite, on va mettre quelques plantes d'intérieur parce que c'est toujours un peu plus joli. Donc celle-ci, on va la mettre là. Et on va mettre une sanservia aussi, voilà. Donc je pense que deux, ça suffit. Alors ensuite, je vais mettre des distributeurs pour que les gens ils puissent manger. Donc on va en mettre, allez, deux. Deux ici. On va mettre aussi le mur et le sol. Donc je vais prendre celui-là parce que là, on a vraiment des grandes fenêtres où on peut voir donc les avions autour. Et en sol, alors un truc plutôt, une moquette. Moi, je me souviens, il y avait une moquette. Une moquette, elle est rouge. Bon, c'est pas très joli, rouge. Allez, celle-ci. Voilà, c'est plutôt joli comme ça. Alors, je viens d'ajouter l'espèce de guichet. Donc ici, les gens peuvent donner leur passeport, tout ça. Et ensuite, ils font le tour et ils passent par là. Et je voudrais aussi rajouter quelques éléments donc, qui rappellent un peu les voyageurs. Donc je cherche la... Enfin, je vais essayer de trouver une valise. Alors on va mettre celle-là. Et ensuite celle-ci. Bon, il y en a pas mal des valises quand même. Et éventuellement peut-être une poubelle. Comme ceci. Voilà. Donc la poubelle, on va la mettre là. Les valises, on va les mettre, alors je vais les dispatcher un peu comme ça. Et je vais peut-être aussi changer un siège ou deux, enfin peut-être les mettre d'une autre couleur, une couleur différente. Parce que tout noir, c'est pas très, je trouve ça, enfin c'est pas très joli. Donc blanc, voilà, là, je trouve que ça va, c'est plutôt original. On va rajouter les lampes, voilà, donc je sais pas trop quoi mettre. Alors on va mettre ça parce qu'il fait chaud. Voilà. Et on va rajouter quelques lampes, comme ça, voilà. Bon, c'est pas très, très classe, mais bon. On est dans un aéroport, donc pas besoin que ce soit super joli. Voilà, on va regarder comme ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On va valider auprès de Tom Nook. Hop, c'est parti. Là, je prends quelques photos. Je sais pas après ce que je mettrai comme miniature, mais je pense que, à mon avis, je vais prendre plus les avions dehors. Alors donc, on va prendre une petite photo pour la miniature. Donc on va laisser Tom Nook ici. Allez, on fait un petit sourire. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut !